à tous, bonsoir, bienvenue à la BPI, en tout cas dans l'émanation virtuelle de la BPI. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui et ce soir en direct sur notre site et sur Facebook. C'est le premier jeudi de la BD classique Sonia, je crois, de cette année, puisque le mois dernier, on avait accueilli le Saut BD avec Renaud Chavanne et Jean-Claude Mézières comme invités. C'est d'ailleurs une vidéo que vous pouvez retrouver là sur Facebook ou sur notre site. Et ce soir, donc pour initier cette année, on a le très grand plaisir de recevoir Lucie Kemener. Bonjour Lucie. Bonjour. Toujours en compagnie de Sonia, qui nous accompagne depuis maintenant fort longtemps dans cette aventure. Et moi, je dirais simplement juste un tout petit mot. Si vous avez des questions à poser à Lucie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste sous la vidéo. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup, Nathanaël. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Lucie Kemener. Lucie qui était en sélection officielle cette année au Festival d'Angoulême avec son tout premier album, Baume du Tigre, publié chez Delcourt, un album pour lequel vous avez reçu, Lucie, le prix France Culture BD des étudiants. Bonsoir, à nouveau. Merci d'être avec nous. Baume du Tigre, je le disais, c'est votre premier album, un projet que vous avez signé dès l'obtention de votre diplôme. Vous avez étudié à l'Académie Brassard Delcourt. L'histoire d'une famille, trois générations qui vivent sous le même toit, sous l'autorité d'un patriarche d'origine chinoise. Avant de parler de Baume du Tigre, de ce récit, un mot, si vous le voulez bien, de ce qui vous a donné envie de dessiner, ou plutôt de ce qui vous a poussé à faire de la bande dessinée. Dans un précédent échange, vous me disiez que c'était vers 13-14 ans que vous aviez commencé à dessiner vraiment tous les jours. Mais pour ce qui est de la bande dessinée, il y a un livre en particulier, je crois, qui a été important pour vous. C'est « Trop n'est pas assez », d'Uli Lust, publié chez Ça et là. C'est ça, ce livre, il a été comme un déclic un petit peu dans votre envie de raconter des histoires en bande dessinée. Oui, je pense que d'une certaine manière, ça a été une forme de déclic, ça m'a beaucoup marqué. Après, forcément, je ne pense pas qu'il y ait comme ça un point de bascule dans toute une vie. Et donc, c'est aussi plein de petites pierres et différentes BD que j'ai lues avant, aussi plus jeune, qui m'ont marqué. Mais je pense qu'il est arrivé un moment, en fait, où ça correspondait à la fois à des choses qui me plaisaient en tant que lectrice et à la fois à ce que j'avais envie de moi-même de créer ou de raconter et ce que je pouvais, en fait, faire. C'est-à-dire que je pense que la manière dont c'était raconté et dessiné me semblait à ce moment-là plus accessible que d'autres albums. Et du coup, je me suis dit un peu, ah, en fait, finalement, peut-être que moi aussi, je peux faire des planches, c'est peut-être pas si compliqué par rapport à certains albums qui sont peut-être plus impressionnants, en fait. Et je pense que c'est cette accessibilité. Et de se dire, peut-être aussi, on peut mettre de soi dans les albums, même si bien évidemment il y en a plein d'autres et j'imagine qu'il y a eu d'autres lectures, mais est-ce que, parce que j'ai lu aussi que vous disiez que le fait de faire de la bande dessinée, de vous dire que vous pouviez, que vous aviez envie de faire de la bande dessinée, c'était aussi lié au fait de se dire, je vais pouvoir raconter des choses et raconter des choses qui me sont propres, qui sont personnelles. Oui, je pense que c'était aussi plus flagrant dans cet album, en effet, l'apport de l'auteur et de l'autrice en l'occurrence et de ce qu'elle avait vécu directement par rapport à quand j'étais plus jeune aussi, et du coup, je projetais moi en fait l'auteur ou l'autrice derrière l'album. Du coup, ça me semblait un peu un métier plus flou et peut-être là, à ce moment-là, ça a joué aussi dans ma perception de la bande dessinée en général. Et vous avez du coup très tôt publié ce premier album. Je disais, vous avez étudié à l'Académie Brassard Delcourt. Et je crois savoir que votre famille vous a vraiment encouragé dans cette voie. Ça peut effrayer des fois certains parents qui se disent c'est bien de dessiner, il y a quelque chose de magique aussi, toujours dans le dessin, mais qui peuvent dire à leurs enfants oui, mais ce serait bien que tu fasses quand même quelque chose d'un peu sûr, tout ça. Vous, je crois que votre famille, qui ne compte pas tellement d'artistes, était plutôt très heureux d'avoir quelqu'un qui comme ça avait envie d'embrasser une carrière d'artiste, en tout cas de dessiner, de raconter des choses en dessin. Oui, tout à fait. Après, ma famille était effrayée aussi, en fait. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et j'ai vu mes parents même très tardivement, alors même que voilà, la BD allait sortir bientôt, etc., être un peu inquiet, me dire mais pourquoi ta BD se vendra peut-être plus qu'une autre. Et je dis je ne sais pas non plus. Et du coup, voilà. Mais par contre, je pense, oui, sur le fond, j'ai eu cette chance ou ce privilège même d'avoir du coup une famille qui considérait que c'était quand même un métier plus qu'envisageable et même souhaitable pour ses enfants, parce que ma sœur, en fait, fait des études artistiques aussi. Et du coup, oui, ça a vraiment été le cas. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu
que j'ai pu faire mon album, en fait. Pour être très honnête, c'est aussi grâce voilà, à un soutien matériel, émotionnel, etc. de mes proches, comme ce beaucoup de gens, je pense. Ce premier album, donc « Baume du tigre », qui n'est pas un récit autobiographique, mais qui est une histoire qui est tout de même inspirée de l'histoire de votre famille. C'est un projet que vous portiez depuis longtemps, un sujet duquel vous sentiez que vous aviez besoin de parler. On va l'évoquer, il y a plein de dimensions différentes dans cet album, mais c'est vraiment, on évoquait les thèmes très, très personnels qui, de partir de sa vie et de raconter des choses qui nous sont propres. Voilà, c'était vraiment cette volonté avec Baume du Tigre. En fait, je pense qu'il y a des thèmes déjà, entre guillemets, que je portais, mais à un moment où je ne savais même pas que je voulais faire de bande dessinée, et c'était juste, comme je pense plein d'auteurs aussi, des problématiques dans ma vie. Et du coup, au moment comme ça, de me dire, ah, c'est mon premier album, qu'est-ce que je vais raconter? Du coup, ça a été assez évident, je pense. C'était même les premiers trucs à faire, comme ça, presque. On peut passer à autre chose après ou ouvrir sur d'autres choses. Mais du coup, c'était à la fois la volonté de, en fait, de parler de. Donc, il y avait plusieurs choses. C'était de parler de la migration, mais d'une manière, en tout cas, que moi, j'ai perçu comme. Pas si souvent traité dans la fiction et en bande dessinée, qui est un peu une idée de post-migration, de ce qui se passe en fait après pour les gens qui ont migré, mais aussi pour leurs descendants, etc. Et c'était aussi parler de l'occasion aussi de parler un petit peu de la culture chinoise, parce que pareil, en bande dessinée, c'est vraiment résumé à quelque chose d'extrêmement superficiel par des gens qui souvent n'ont que, enfin, qui sont assez distants en fait de ça. Et du coup, c'est des choses qui, en fait, depuis longtemps, me manquaient à moi en tant que lectrice ou spectatrice dans les fictions. Et du coup, c'était un peu un réflexe de me dire, tiens, c'est l'occasion, voilà. Et du coup, ça s'est couplé aussi avec une envie que j'avais avant, en fait, de faire un récit qui s'étalerait comme ça sur plusieurs générations et où on suivrait, en fait, les actions de personnes et les conséquences sur les générations suivantes, en fait, et comment les actions aussi des générations suivantes sont causées sans qu'elles le sachent ou pas. Par les générations précédentes et du coup voilà, du voile là-dessus. Et du coup voilà, tout ça allant très bien ensemble, ça s'est structuré autour d'un projet. Puisqu'effectivement, donc Baume du Tigre, c'est l'histoire d'une émancipation. Déda, qui contre la vie de son grand-père, va décider de devenir médecin et donc de fuir la maison pour pouvoir poursuivre ses études et pour pouvoir accomplir ce qu'elle rêve d'accomplir. Mais en prenant comme fil conducteur cette émancipation, vous le disiez, vous racontez aussi trois générations de femmes, puisqu'on va découvrir ce qui s'est passé pour la mère d'Eda et pour sa grand-mère, pour Maya et Mina. Ça arrivait assez rapidement, cette idée de mêler les générations, de parler aussi de ce qui est arrivé à la mère et à la grand-mère d'Eda. Et je pose une autre question en une, mais vous disiez que c'était intéressant de montrer comment est-ce que parfois on fait des choses et on ne sait pas forcément que c'est un héritage aussi, que ce sont des choses qui sont arrivées aussi à nos parents ou à nos grands-parents qui ont une influence sur nos actions au présent. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans l'album, c'est la façon dont on découvre le parcours donc de Maya et Mina, ce par quoi elles sont passées. Mais les filles de cet album, puisqu'il y a Eda et ses sœurs qui vont s'enfuir ensemble de la maison, elles ne le savent pas, ce que nous, en tant que lecteurs, on sait. Et ça, c'est très beau, c'est-à-dire qu'on voit leur réaction, mais nous, on sait que la mère et la grand-mère ont, elles aussi, eu envie à un moment de prendre leur liberté et de se libérer du poids des traditions, ou en tout cas de certains poids qui pesaient dans leur vie. Et ça, les filles ne le savent pas, et ça nous permet de comprendre malgré tout des choses que peut-être elles ne comprennent pas tout à fait. Oui, c'était voulu en fait. Du coup, cette idée, donc je reprends la première question, hein, mais c'était l'idée comme ça de parler des précédentes générations et de leur donner de l'importance. C'était un truc que j'ai voulu faire très vite en fait. Et du coup, oui, en effet, vers la fin de l'album, Eda, la petite fille, a une discussion avec sa grand-mère. Et en fait, sa grand-mère, on voit qu'elle répond pas tant que ça à ses questions, alors que le spectateur, lui, le lecteur, il a lu l'album, donc il sait en fait quelles sont les réponses. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti vis-à-vis de ma famille, mais pour en discuter avec d'autres gens, j'ai l'impression que c'est un truc assez courant aussi, parfois, de découvrir au fur et à mesure des choses comme ça, même quand nos parents vieillissent, ah bon, du coup, quand tu étais jeune, etc. Et sur, pareil, les générations précédentes. Et je pense que, du coup, il y a en tout cas ce phénomène d'un passé qui est caché, qu'on ignore, mais qui pourtant a eu un impact direct sur nous.
Moi, en tout cas, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, avec mes parents, mes grands-parents qui me disaient, ah, si tu es là, c'est aussi grâce à tes parents, grâce à tes grands-parents. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Et du coup, voilà, je voulais vraiment que ce soit un récit qui soit comme ça, assez, assez déterministe, en fait. Je me souviens, j'avais, je crois, lu dans une. C'était il y a longtemps, mais une critique. De l'album qui parlait du coup des filles du coup qui des héroïnes qui cassent leur déterminisme. Alors voilà, peut-être je sais pas, peut-être c'était moi qui n'étais pas très claire de mon récit, mais en tout cas à l'inverse, moi je voulais exprimer justement le fait que leur émancipation était quelque chose qui a été amené, en fait, qui sort pas de nulle part d'un coup parce qu'elles en ont la force, mais qui est aussi une longue construction sociale, et qu'en fait dans les générations précédentes, les avis, ils sont en fait, les positionnements des générations précédentes ne sont pas monolithiques, et il y a des tensions, en fait, à l'intérieur de chaque génération, comme ça. Et du coup, c'était ça que je voulais exprimer. Et comment est-ce que vous avez réussi à trouver l'équilibre? Parce que moi, je trouve que l'équilibre, il est assez parfait dans cet album. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je le trouve extrêmement réussi. Et c'est vrai que ces passages-là, quand on découvre la vie de la mère et de la grand-mère d'Eda et de ses sœurs, c'est des passages qui nous éclairent, qui nous permettent de comprendre ces femmes, en tout cas de comprendre une petite partie de leur vie. Et j'imagine qu'il fallait trouver l'équilibre, c'est-à-dire que ça ne prenne pas non plus trop de place, c'est-à-dire que le récit principal, malgré tout, c'est le parcours d'Eda. Et comment est-ce qu'on dose ça? Est-ce que c'était très intuitif de se dire il faut raconter que ce qui est utile quelque part, et en même temps ne pas être que dans l'utilitaire pour ne pas justement être dans quelque chose qui soit trop didactique, ou en tout cas qui soit trop de pointer du doigt en disant bah, voyez ce qu'elle a vécu, et donc vous voyez quelle influence ça peut avoir. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre dans la narration? Je sais que oui, je crois que ça se fait assez relativement facilement, en fait. C'est que moi, j'ai plus tendance à mettre tout juste, comment dire, à être justement assez, comme, voilà, assez utilitaire. Où du coup, j'avais un peu comme ça ma structure des événements de la vie de la mère qui est, par exemple, ou de la grand-mère qui est influencée. Et du coup, c'était comme ça une liste de choses qui devaient se passer. Et du coup, j'ai démarré un peu avec ça, et c'est au fur et à mesure, en fait, de la réalisation de l'album que c'est venu se détailler un peu de petites choses. Mais pour moi, en fait, j'avais pas tant peur de la place que ça allait prendre, parce qu'au contraire, ça me semblait quelque chose de très important, en fait, parce que, enfin voilà, j'avais pas envie que ce soit juste la vie d'Eda et ou de ses sœurs, et émaillée de un minuscule flashback qui va éclairer. Pour moi, enfin voilà, ça prend quand même une grande proportion du livre. Mais parce que pour moi, c'est également important, en fait. Enfin, voilà, je pense que en fait, la vie, par exemple, de la grand-mère qui elle-même ne vit pas comme ça dans son passé de grande rébellion vis-à-vis de son mari, etc., en fait, a autant d'importance que celle que fait Eda, en fait. Et que, enfin, je pense pas qu'il faille hiérarchiser ça. Bon, après, enfin, narrativement, forcément, on doit, enfin, c'est plus facile d'avoir des personnages principaux qu'on suit, etc. Mais du coup, moi, je voulais leur donner une grande importance. Et du coup, il y avait aussi beaucoup d'événements simplement à caser dans chaque flashback. Et du coup, après, avec en plus, c'était aussi des discussions avec mon éditrice, etc., pour, par exemple, enrichir le rôle du grand-père et ses interventions, etc. Et donc, à ce moment-là, ça s'est développé encore plus. Mais du coup, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait. Enfin, c'était pas, pour moi, je ne l'ai pas aperçu comme un écueil, en fait. C'était assez inhérent à la construction du livre, et après, voilà, c'est venu s'enrichir au fur et à mesure. Mais pour moi, voilà, ça a structuré beaucoup le scénario. Complètement, et c'est extrêmement important. Et vous parliez du grand-père, je rebondis là-dessus. Et c'est vrai que le grand-père, de la même façon, en tout cas, même si lui, on le voit dans les flashbacks, bien évidemment, mais lui aussi, il n'est pas d'un bloc, c'est-à-dire qu'il est plutôt très dur, c'est-à-dire qu'au début, forcément, on a envie d'être du côté des filles, enfin de la liberté de choix, de pouvoir suivre ce qu'on a envie de faire. Et en même temps, comment dire, en tant que lecteur, vous nous amenez à porter un regard qui n'est pas si dur que ça avec lui, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui font qu'on comprend. Ça veut pas dire d'accepter, ça veut pas dire de dire que il faut pas qu'elle se rebelle et qu'elle s'enfuit, mais ça veut dire que on voit bien à quel point il y a des choses qui sont importantes pour lui, et comment il se démène pour sa famille, et comment est-ce qu'il fait en sorte que pour que en sorte que ce soit pour lui ce qui est le mieux, en fait, pour sa famille. Et ça, je trouve qu'effectivement, dans la construction du grand-père, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et de fort là-dedans, de réussir à faire passer tout ça, à faire passer le fait que tout n'est pas d'un bloc, en fait, et que on peut des fois faire du mal à nos proches en ayant beaucoup de bonnes intentions,
et en voulant juste se battre pour sa famille, parce que c'est ce qu'il fait, il se bat pour sa famille. Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, c'était une volonté dès le début, en fait, parce que, comment dire, je pense en effet que on peut être clair sur le fait que c'est quelqu'un de nuisible qui a directement nui à sa femme, à sa fille, à ses petites filles, etc. Et après, je pense que ça n'empêche pas qu'on puisse comprendre et s'intéresser ou même avoir une forme d'empathie avec ce personnage et que c'est même plus intéressant, en fait. Sinon, de comprendre en fait ce qui peut amener aussi à ce genre de comportement, etc. En plus, quelque chose qui était important aussi, j'ai mentionné le racisme aussi que le grand-père subit quand il est jeune et plus tard, etc. Parce que pour moi, c'est un élément aussi assez structurant de sa relation avec sa famille, en fait. Mais c'était pareil, je sais plus si c'était une interview ou des gens en tout cas qui je percevais qu'en fait ils considéraient un peu que si le grand-père est sexiste, c'est parce que il est étranger ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait c'est paradoxalement c'est presque l'inverse, en fait. Pour moi, c'est parce que en fait il vit du racisme et qu'il est du coup en fait comme ça rabaissé, etc., tout le temps, que en fait la seule manière qu'il a de reprendre un peu le contrôle, du coup c'est malheureusement sur les femmes de sa famille qui du coup elles prennent le double, mais du coup que c'est des choses qui sont liées de cette manière, en fait, et que c'est pas par essence, du coup, comme il est étranger, il a des avis rétrogrades, en fait, mais c'est parce que c'est la seule chose qui lui reste, et c'est parce que il perçoit le monde comme violent, que il veut protéger sa famille, etc., même si du coup c'est, comme je dis, c'est extrêmement nuisible. Du coup, je pense que c'est des questions qui sont compliquées, même si ça n'empêche pas, je pense, de pouvoir trancher radicalement aussi sur dessus, en fait. Et on parlait des femmes de la famille, d'Eda, de sa mère, de sa grand-mère, mais il y a ses sœurs aussi, je le disais, avec qui elle va s'enfuir. Et dès le début, ça aussi, vous vouliez que ce soit un groupe. En tout cas, qui est cette notion de sororité, et ça permet aussi de montrer quelque chose qui est très intéressant et qui est de se dire que on peut grandir dans une même famille et avoir des choix très différents et en arriver à aider sa famille de manière très différente, puisque Eda va finalement l'aider en partant, mais la plus petite sœur va aider sa famille en restant au plus près d'elle. C'était dès le début cette idée vraiment d'avoir des sœurs. Oui, c'était pareil, ça faisait partie de la jeunesse du projet. Au début, c'était même un groupe. Au début, je voulais faire dans ma tête, c'était même une famille vraiment beaucoup plus grande avec les cousines, etc. Mais après, je me dis, dans mes limites de réalisation, c'est mon premier album. Mais dans ma tête, j'imaginais vraiment une famille bien plus élargie avec, comme ça, un groupe beaucoup plus important. Mais du coup, ça s'est réduit à des sœurs. Et oui, en effet, c'est. Enfin, du coup, moi, je trouve comme ça le personnage de Eta qui finalement reste auprès de sa mère, qui est un peu l'autre pendant, en fait, de la fuite de Eda. Et justement, de revenir sur la fin comme ça, parce que, comment dire, je pense que c'est, je sais pas pour les autres gens, mais pour moi, c'est un peu une question de quelle manière, en fait, on peut soit aider ses parents ou être, en fait, ce que nos parents attendaient de nous, en fait. Je pense que c'est une question un peu dans l'album, du coup, à chaque personnage vis-à-vis de ce qu'attendaient leurs parents, etc. Entre s'opposer à ses parents, même si c'est eux ce qu'ils ont essayé de faire, et ce que du coup on réalise à leur place, même si du coup eux ont le mauvais rôle dans cette situation, c'est une situation qui est pas forcément évidente. Et du coup, c'était pour mettre ça en exergue qu'il y avait aussi le personnage de Eta qui part pas, etc. Et puis après, ça me semblait plus réaliste. Enfin, oui, une forme de réalisme un peu qui est comme ça, une des sœurs qui finalement peur, qui panique parce que c'est pas non plus si évident. Mais voilà, c'est une option, entre guillemets, c'est une option aussi, quoi. Complètement, et c'est ça qui est très fin, justement, parce que ça permet de percevoir plein de petites choses, mais qui font nos vies, en fait, et qui font que des fois, des choix après ont un impact sur le reste de notre vie. Et en même temps, de montrer aussi ce que je disais, c'est que quand on décide de partir, ce que fait Eda, de se libérer de ce poids, de se libérer de l'interdiction faite par son grand-père, ça ne l'empêche pas de revenir ensuite et de renouer avec une histoire familiale, puisque finalement, elle va quelque part réaliser le rêve de sa grand-mère, ou en tout cas, elle va se rapprocher de cet héritage lié à la médecine traditionnelle, puisqu'après avoir été diplômée de médecine académique, disons, elle va se rapprocher de ce savoir qui est aussi un héritage de sa famille. Et c'est aussi de se dire que parfois, pour mieux
pour mieux se rapprocher de sa famille, il faut à un moment, ça dépend des parcours bien évidemment, mais il faut, il faut partir parfois et il faut s'éloigner pour pouvoir mieux revenir auprès des siens. Oui, oui, bien sûr, et je pense qu'en fait, on met un peu comme ça dans un même paquet la famille, la culture traditionnelle, notre héritage, nos ancêtres, un peu comme ça, ça va ensemble, mais en fait, c'est quelque chose qui est super large et multiple, et en fait, il y a des choses dont on peut choisir de se détacher ou au contraire qui sont importantes pour nous. Et du coup, il y a tout ce travail, en fait, ou cette nuance comme ça à faire, et où du coup, Eda finalement fait un peu d'une certaine manière ce que son grand-père attendait d'elle en renouant avec lui à la fin, mais pourtant à sa façon. oui, c'est ça en fait, à sa manière, mais voilà, je pense que c'est un peu un équilibre comme ça, c'était un équilibre qui n'a pas été facile à trouver en fait sur la fin, mais du coup, je voulais, comment dire, je voulais comme ça, donner cette impression d'un retour un peu aux sources, etc. Mais avec quand même le recul que ça impliquait, et du coup, de montrer par exemple le grand-père qui lui comprend pas vraiment en fait ce qui se passe et que lui, par exemple, n'a pas tant changé d'avis et ne perçoit pas l'évolution qu'a eu Eda forcément pour que ce soit pas en fait quelque chose qui est perçu aussi de la même manière par tout le monde en fait que ce changement ou ce cheminement personnel de la part de Eda. En fait, il est perçu différemment selon les membres de sa famille en fait. Et pourquoi avoir fait le choix de la médecine pour votre personnage, puisqu'on le disait au début, vous êtes une artiste dans une famille qui ne compte pas beaucoup d'artistes. Ce personnage aurait pu vouloir, devenir dessinatrice par exemple. Pourquoi la médecine? Alors c'est vrai que je me suis, j'ai pensé, je sais plus, peut-être à la fin de l'album, bien trop tard, que j'aurais pu totalement inverser et faire une personne qui devait faire de la médecine et qui finalement ne peut pas faire de la cuisine, par exemple, plutôt que reprendre le restaurant. En fait, je pense que de toute façon, c'est un peu les principes des scénarios, c'est qu'on peut après adapter. C'est un peu des outils, en fait, qui ont un peu comme ça des fonctions, et ça peut être interchangeable. Mais en tout cas, avec la médecine, alors au tout début, c'était simplement un attrait un peu comme ça esthétique sur la médecine traditionnelle. Et après, en fait, je trouvais que ça renouait un peu avec une forme de comment dire, de, je cherche mes mots, mais d'émancipation par le travail ou par une réalisation professionnelle en fait. Et du coup, ça comment dire, je trouvais que ça allait bien aussi avec, ça prenait un peu à contre-pied ces injonctions de hautes études que j'ai vu assez couramment dans ma famille par exemple. Et du coup, c'était un peu pour en fait prendre cet élément à contre-pied et de montrer aussi en fait d'opposer entre la volonté du grand-père qui, au lieu de vouloir que en fait sa fille fasse des hautes études, que c'est pas sa préoccupation en fait et que c'est une préoccupation familiale comme ça de vouloir reprendre le restaurant. Et du coup, c'était pour opposer tout ça. Après, très honnêtement, rétrospectivement, finalement, je pense que les choses auraient été différentes. Ça aurait été un livre très différent, du coup, forcément. Mais après, j'imagine qu'il faut faire des choix à un moment. Et comment est-ce que vous avez donné des visages à tous ces personnages? On l'a dit au début, bien sûr, il y a des choses très personnelles dans cette histoire. Est-ce que vous vous êtes inspiré de membres de votre famille ou de proches? Au contraire, vous avez préféré vous dire non, il faut que ce soit des personnages de bande dessinée totalement et il faut que je m'en éloigne. Comment est-ce que vous avez composé votre casting, casting de Bob du Tigre? J'ai essayé de pas trop m'inspirer justement parce que déjà je me suis dit c'est des membres de ma famille, du coup ils vont peut-être eux-mêmes se projeter dans les personnages éventuellement. Je me suis inspirée par exemple pour le grand-père de gens de ma famille, mais après c'était parfois plus en fait pour la manière dont ils parlent ou ce genre de choses en fait, que enfin comment dire, un peu pour leurs attitudes que plus que pour leur design. C'est vrai que ça s'est fait un peu assez intuitivement. C'est que j'ai passé plus de temps à réfléchir au design de la maison, par exemple, que des personnages. Moi, je voulais qu'il y ait quand même un air je voulais jouer sur une ressemblance globale de la part de tout le monde, y compris des sœurs, de jouer comme ça sur qu'elles aient l'air presque jumelles. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu trop...
copier des gens qui existent déjà, je pense que c'est un sujet peut-être un peu délicat, je ne sais pas. Et vous avez eu des retours, justement. Je sais qu'à la fin de l'album, vous remerciez votre mère pour toutes ses idées pertinentes, je vous cite, sur votre scénario. Qu'est-ce qu'elle a apporté au scénario? Et puis maintenant que l'album est sorti depuis un petit moment, est-ce que vous avez eu des retours, des échanges avec des membres de votre famille, justement, comme vous disiez, qui ont peut-être pu se reconnaître dans certains personnages un petit peu, ou pas du tout, peut-être qu'ils n'ont absolument rien vu? Alors bah du coup en fait j'avais discuté avec ma mère au moment où du coup je commençais à écrire mon scénario pour savoir si par exemple elle avait des anecdotes familiales précises, des choses comme ça sur des oncles, des grand-tantes, etc. Et du coup ça a été beaucoup des remarques comme ça. Et puis après c'était aussi elle, parce que du coup moi mon père est français, et du coup mon rapport à la culture chinoise est déjà un peu plus éloigné qu'elle. Et du coup, c'était voilà, elle, comment, qui avait voilà, grandi avec deux parents chinois, etc. Comment elle avait perçu ça? Est-ce que voilà, ça semblait, est-ce que ça sonnait juste d'une certaine manière? Est-ce que ce n'était pas trop incohérent voilà, dans les attitudes des personnages, ce genre de choses? Donc, ça a été beaucoup des choses comme ça. Et après, pour le retour, j'ai eu, pour la plupart, c'était beaucoup de retours positifs. Les gens se sont pas. Je ne pense pas que des gens se soient reconnus, même là où ils auraient pu, justement, peut-être. J'ai eu beaucoup de. Bah, surtout de femmes de ma famille, de cousines ou de tantes ou de grand-tantes, comme ça, qui m'ont dit, et ça m'avait vraiment touchée, que c'était. Voilà, que ça sonnait juste, que justement, ah, mon père m'a toujours dit ça, ce genre de choses, etc. Donc, c'était même assez étonnant, parfois, de dire, ah, mais à quel point, en fait, ça tombait assez, assez juste, étonnamment, alors que. Bon, voilà, quand je le faisais, c'est toujours un petit peu à l'aveuglette. Voilà, on espère voilà, que ça va le faire. Et du coup, voilà, c'était beaucoup de retours positifs. Après, j'ai l'impression que ma famille, au-delà même de la BD en général, était content aussi qu'il y ait une fiction, qu'un membre de la famille voilà, soit auteur, et que ce soit une fiction sur des Chinois aussi, voilà, portée par une personne qui est d'origine chinoise. Voilà. Donc, c'était un peu ça aussi dont tout le monde était fier. Donc, je pense qu'il y a eu un peu tout ça. Parce que c'est vrai que c'est pas si courant, j'ai l'impression, enfin, moi, de ce que je vois en tout cas. Donc, ouais. Et vous avez, c'est un retour que vous avez aussi de la part de vos lecteurs, ce retour-là, avant qu'on soit... confinés, on a été confinés très vite. Je sais que vous avez fait des interventions dans des classes, mais à distance. Quels sont les retours des lecteurs? Parce que j'imagine que ça peut parler à énormément de monde. Vous le disiez à votre famille qui disait, ou bien on parlait au tout début de la rencontre sur la représentation, sur les questions de représentation, mais au-delà de ça, c'est un récit qui parle à tout le monde, à toutes les personnes qui ont grandi. On a tous grandi voilà, par rapport aux rêves, par rapport à ce qu'on a envie de faire, et ça concerne tout le monde. Quels sont les retours que vous avez pu avoir, notamment peut-être des plus jeunes lecteurs, des ados ou des jeunes adultes? Bah, pour le coup, j'ai eu peu de retours de jeunes lecteurs, parce que après les classes, pas forcément le meilleur contexte pour commencer à poser. Vous avez eu le prix BD des étudiants. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu peu de rencontres avec des lecteurs, mais du coup en effet voilà, il y avait des comme ça, j'ai vu notamment des femmes asiatiques qui m'ont dit, ah, c'est pas souvent, ah, le titre ça m'a interpellée, etc., ça change. Mais je voilà, du coup aussi par exemple un journaliste qui m'avait interviewé, qui m'avait confié qu'en fait ça, alors que c'était voilà, c'était je pense pas spécialement mon public cible de base, entre guillemets, qui pouvait s'identifier le plus au personnage, mais qui m'avait dit, ah, je suis en ce moment en train de faire des recherches sur la vie de mon grand-père, et du coup, et voilà, et du coup, ça l'avait touché pour ces raisons-là, et du coup, ouais, moi, du coup, voilà, j'étais contente aussi de voir que ça pouvait faire écho des gens très différents. Donc, je pense que c'est un peu, j'imagine, quand on écrit des trucs, ce qu'on espère tous aussi, que ça fasse écho un peu au-delà de notre petite personne, quoi, mais. Bien sûr, il y a quelque chose voilà. De très universel. Effectivement. Depuis tout à l'heure, on voit quelques images de l'album, un album que vous avez fait entièrement au crayon gris, au critérium même, je crois, oui, si je me souviens bien. Comment est-ce que s'est fait ce choix? C'est vrai qu'une fois qu'on a lu l'album, on le voit comme une évidence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui participe de ce côté très intime de l'album, puisqu'il y a quelque chose qui rappelle le croquis, forcément, quand on est au crayon. Et je trouve que c'est quelque chose qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'intimité de ces personnages avec eux. Comment est-ce qu'il s'est fait ce choix? C'était justement avec cette idée-là en tête, ou bien finalement, c'était par la force des choses, parce que vous avez commencé à faire au crayon et que vous vous êtes dit que oui, c'était comme ça qu'il fallait que ce soit. Pourquoi ce choix du critérium? C'est un peu un mélange des deux. En fait, déjà, c'était simplement
un médium que j'utilisais pas mal en fait au moment où voilà, j'avais commencé le projet. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'était déjà des raisons pratiques comme ça de me dire c'est déjà un album conséquent, donc je vais pas m'infliger voilà, des choses en plus. Et du coup, commencer avec une méthode avec laquelle j'étais déjà plus à l'aise. C'était aussi et du coup c'était voilà, c'était aussi des raisons voilà pratiques, un peu dans la même idée de choisir voilà un matériau facile d'accès, facile à acheter, facile à trouver, facile à manipuler, voilà, pour minimiser comme ça la complexité du projet, parce que c'est vrai que j'étais à ce moment-là un peu inquiète aussi des 250 planches, c'était voilà, c'est un gros morceau. Et après, bon, c'était pas non plus voilà, que des trucs comme ça aussi triviaux. Mais du coup, c'était aussi voilà, un peu une idée d'une certaine douceur, j'imagine, ou de quelque chose comme ça, d'un peu doux, d'un peu nuancé. Ça évoquait quelque chose aussi d'assez, enfin, en tout cas, je voulais quelque chose d'un peu intemporel, en fait, qui puisse se passer un peu presque à n'importe quelle époque. Et c'est pour ça aussi, du coup, les flashbacks. C'est vrai qu'au niveau au-delà du présent qui pourrait effectivement, qui a un côté un peu intemporel, il y a ces flashbacks, ce qui permet d'éviter, ça se fait de moins en moins, mais ce qui permet d'éviter le sépia pour les flashbacks, la couleur pour le présent, qui est quelque chose qui est effectivement qui facilite la lecture, mais qui d'un point de vue esthétique n'est pas forcément ce qui se fait de plus réussi. En tout cas, là, on est avec la grand-mère d'Eda et le découpage est différent. Les cases ont les bords arrondis, enfin, on va en parler du découpage, mais il y a des choses très différentes. Mais en tout cas, ça permet de ne pas avoir de rupture, justement, dans ces flashbacks et d'avoir quelque chose qui correspond à toutes les époques que vous décrivez. Oui, tout à fait. Mais du coup, voilà, je voulais comme ça ce côté un peu désuet presque, ou, hein, mais du coup, un peu intemporel et qui évoque un peu comme ça les vieilles photos en noir et blanc que les personnages regardent. Et du coup, en fait, au début, j'imaginais que... les flashbacks inclus, elle est traitée exactement dans le même style que le reste de l'album, mais après, du coup, mon éditrice me dit, ah, quand même, je me dis, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas rendre les choses faciles pour les lecteurs. J'étais un peu optimiste. Et du coup, finalement, j'ai fait quelques recherches pour du coup, trouver un style qui soit assez équivalent, mais en fait, où du coup, ça tient des petits détails, mais du coup, les bords sont arrondis, le trait, en fait, est plus épais, et au lieu d'avoir plusieurs nuances de gris, il n'y en a qu'une, en fait. Et du coup, on a comme ça des traits, du noir, du gris, du blanc, et c'est tout, alors que les autres, c'est plus nuancé. Et du coup pour, en effet, voilà, c'est vrai que voilà, comme ça, le passage en noir et blanc, en sépia, c'est, j'ai envie de dire, bon, après, ça, voilà, ça a le mérite de l'efficacité, au moins. Mais c'est vrai que, voilà, du coup, bon, en plus, moi, vu que c'était en noir et blanc, il fallait trouver comme ça une option qui évoque un peu un décalage, mais qui soit visuellement assez proche, parce que voilà, je voulais quand même que ça reste comme ça graphiquement, esthétiquement cohérent. Du coup, voilà, ça s'est fait un peu comme ça aussi, du coup, au cours de l'album, au moment d'arriver à ces pages-là, du coup, j'ai fait comme ça quelques recherches avant pour que ça s'équilibre bien. Mais c'est vrai que des gens m'ont dit parfois, ah, c'est vrai qu'au début, j'ai pas compris, enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de retours comme ça de gens qui n'avaient pas tout de suite compris que c'était des flashbacks et qui n'avaient pas forcément remarqué ce changement. Donc, peut-être pas rester. Comme il n'y avait pas l'année. Oui, mais c'est ça, bah, après, je voulais pas... En fait, comment dire, je sais pas, moi, je considère en fait que voilà, si les lecteurs, ils sont surtout à ce stade de l'album, s'ils sont en train de lire, ils sont en train de lire en fait. Du coup, il n'y a pas besoin, comment dire. Ils sont dedans. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de les prendre pour des idiots non plus, de devoir mettre comme ça tout écrit, la date, ceci est un flashback, etc. Enfin, voilà, du coup. Je pense que voilà, ça vaut le coup de comme ça de faire un peu des sous-entendus et de laisser les faire les choses en tant que lectrice. Oui, mais parce que je pense que bah, par exemple dans le cinéma, c'est un truc qui est super courant comme ça d'avoir juste des vagues trucs sous-entendus et qu'on découvre bien après, et qu'on voilà, et qu'on recoupe les points après. Et du coup, je pense que qu'en fait voilà après ça du coup. Peut-être c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui n'auraient pas du tout compris, mais la plupart m'ont dit ah, au début j'étais un peu perdue et ensuite au fur et à mesure j'ai fini par rattraper, du coup ouf, voilà, c'était un peu ce qui était prévu, donc je suis rassurée. Mais c'est vrai que ça, j'ai eu un des petits moments de doute aussi sur la compréhension de l'album, mais voilà, mais en tout cas je sais que j'ai pas envie que ce soit tout trop évident, sinon entre guillemets il y a presque plus aucun travail à faire, voilà, pour les lecteurs c'est bien de laisser un petit peu de choses à faire, je sais pas. Ouais, mais complètement. Et puis en plus, si on percute pas dès la première page, la bande dessinée, contrairement au cinéma, on peut s'arrêter, on peut retourner un peu en arrière, on peut revoir et se dire ah mais oui tiens, ça j'avais pas complètement vu, ou même il y a des choses qu'on n'a pas compris du premier coup et c'est pas grave parce qu'on a aimé quand même. Et puis quand on relit, on se dit
ah mais en fait j'avais pas exactement, et c'est pas grave, c'est aussi la beauté de la lecture et de l'imaginaire de chacun qui fait le travail ou qui le fait pas, mais qui projette des choses et qui est concentré ou pas, et qui, et oui, et ça permet de, ouais, de, encore une fois, de revenir sur ses pas et de voir et de percevoir, et de peut-être que tout le monde n'a pas fait cet exercice là mais effectivement après de voir ces nuances, de voir les bords arrondis et du coup de rentrer un petit peu dans la mécanique, c'est des choses qui sont assez passionnantes pour peu qu'on s'intéresse un petit peu à la bande dessinée. On a parlé des personnages, vous avez parlé de la maison, à la façon dont vous avez réfléchi pour dessiner cette maison. J'aimerais juste qu'on dise un mot des décors, parce qu'ils sont, très importants dans l'album, je trouve, même si on est vraiment très souvent avec les personnages et qu'on est au plus près d'eux. Et vous le disiez, c'est un album de 250 pages. Il y a des respirations, il y a comme ça l'envie, le besoin, j'imagine aussi, d'inscrire ces personnages dans un lieu, ou en tout cas de prendre le temps de raconter. Est-ce que ce lieu existe? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ces décors? Et quelle est pour vous l'importance justement dans ce récit des lieux de la maison et de cette plage aussi qui revient à plusieurs moments? Et ensuite Eda, qu'on voit évoluer bien sûr en ville. Alors du coup, pour le lieu comme ça de la plage et des falaises, ça ne s'inspire pas vraiment d'un lieu réel. Au moment de le dessiner, très vaguement, j'avais très vaguement pensé à la Bretagne, mais parce que du coup, en fait, la famille de mon père est de là-bas, etc. En fait, c'était avant tout une envie scénaristique, en fait, puisque j'avais un peu cette idée de huis clos, enfin d'une maison un peu comme ça, renfermée sur elle-même avec la famille, etc. Et vraiment tout s'est mis en place quand je me suis dit, ah mais je vais mettre la maison au bord de la mer, et parce que comme ça en fait ça implique naturellement un voyage, en fait un départ du coup de la maison pour aller vers le reste du pays, la grande ville, etc. En fait il y a cette idée d'être quelque chose qui est complètement au bord de tout, très éloigné comme ça, et du coup ça a accentué à la fois voilà ce sentiment comme ça de la maison qui est vraiment isolée de tout, et de cette famille qui est totalement repliée sur elle-même et isolée du reste du monde. Et voilà, et cette idée comme ça de voyage, et du coup voilà, c'était avant tout pour cette raison-là. Et après dans ce qui est de la narration, moi c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps pour raconter les choses. J'aime bien un peu comme ça prendre le temps de monter des petites choses et de m'attarder sur des détails comme ça. Et du coup, en effet, il y a un peu de comme ça de temps passé à juste montrer des décors et des choses comme ça, ou les personnages qui prennent le train. Et du coup, c'est que ça leur donne comme ça plus de un peu de présence visuellement. Voilà. À la base, c'était quand même des envies très 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 narratives. Mais du coup, c'est plutôt bien équilibré au final, parce que. Enfin voilà, je pense que c'est pas, comment dire, en fait c'est pas juste décoratif comme ça pour meubler. En fait, je trouve que, enfin pour moi c'est, j'imagine que c'est ça d'avoir, enfin comment dire, que c'est juste un rythme différent en fait, et que du coup des actions, des émotions vont passer au lieu d'avoir beaucoup d'actions, ou des dialogues vont passer comme ça par des petits détails ou des petites choses. Et du coup c'était d'essayer de distiller un peu ça en fait. Et comment est-ce que vous avez travaillé justement, puisqu'on parle de découpage, de moments plus lents, de moments plus rapides, il y a une grande variété de planches dans cet album, avec, on a vu quelques-unes des planches avec un dessin unique, avec ces trois sœurs dans une chambre ou bien à table par exemple. Il y a aussi parfois des effets de symétrie comme on peut voir ici. Il y a eu vraiment... c'est aussi une expérimentation graphique cet album, vous avez vraiment voulu aussi tester tout ça et vraiment coller à ce que vous vouliez raconter, et que le découpage accompagne vraiment la narration et l'intention que vous vouliez mettre. Oui, en fait, je pense que ça dépend après de chacun sa vision du médium, etc. Mais en fait, je pense que le découpage et très prosaïquement, du coup, la narration, le découpage en pages et dans chaque case, etc., le nombre de cases par page, en fait, c'est un médium, en fait, comme le graphisme, comme le choix du crayon, ce genre de choses. Et du coup, c'était pour moi, c'est pour moi en fait, c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin qu'il se fasse oublier, ce qui est la volonté aussi de plein d'albums en fait, avoir comme ça cette narration qui se fait oublier. Et moi, au contraire, j'aime bien comme ça que ça prenne un peu forme, et du coup de jouer un peu visuellement avec voilà de la symétrie ou des choses comme ça, ou des graduations en trois cases, ce genre de choses.
Et du coup, c'est vrai que voilà, je me suis dit, c'est quand même long. Est-ce que en plus, vraiment, il y a plein de fois, je me dis, oh, est-ce que c'est un sujet genre complètement ennuyeux, comme ça, le personnage mm-hmm. parle. Et du coup, en tout cas, voilà, dans le découpage, je me suis dit que c'était aussi l'occasion, comme ça, d'essayer, voilà, modestement, hein, d'être un peu créatif, de changer, d'essayer d'utiliser du coup un peu la mise en page, comme ça, la composition des cases pour accentuer comme ça les émotions, les discussions des personnages. Et du coup, c'est vrai que c'était, voilà, en plus d'avoir beaucoup de pages, comme ça, je me sentais très libre de m'étaler, de me dire, ah, mais si je veux mettre juste deux cases dans cette page, je peux. Et c'était, voilà, ça, c'est très confortable, je trouve, d'avoir cette liberté. Mais du coup, voilà, moi, c'était un élément important aussi de l'album, en fait. Je pense que, enfin, c'est marrant parce que je trouve que c'est un truc dont on parle peu en général, qui est peu analysé, peu évoqué dans la bande dessinée. Souvent, c'est un peu les deux piliers, le scénario, le dessin. Et c'est par exemple une étape du storyboard qui est vraiment très inconnue du grand public. Voilà, même des gens qui ne connaissent pas du tout le mot storyboard. Alors pour le cinéma, par exemple, tout le monde sait le montage, la photographie, la réalisation. Tout le monde voit un peu ce genre de choses, mais avec la BD, c'est peu évoqué, alors que voilà, pour moi, c'est vraiment un élément important et qui fait le lien du coup, voilà, entre le dessin, le scénario, etc. Et qui va accentuer en fait, justement, tous les choix faits dans les autres étapes. Et du coup voilà, c'était quelque chose aussi sur lequel voilà, j'ai passé pas mal de temps. Et j'ai employé le mot expérimentation. C'est quelque chose que vous avez envie de faire par la suite. Je le disais, Baume du Tic, c'est votre premier album. Expérimenter, c'est-à-dire expérimenter d'autres genres. On avait parlé, une fois on avait eu l'occasion d'échanger, vous m'aviez parlé de science-fiction, pourquoi pas, de changer de technique aussi. En tout cas, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de vous dire que dans les prochains albums, vous avez envie d'explorer justement ce médium et d'encore plus expérimenter des choses différentes. Oui, bah, enfin, moi je sais que c'est un peu, en fait c'est un peu une motivation, sinon même du coup là, je rebondis peut-être sur une question suivante, hein, mais du coup pour un prochain album, je m'inquiétais presque que ça ressemble trop, etc., que ce soit pas assez différent, et c'est juste en fait pour moi, sinon en fait j'ai l'impression de manquer de motivation, si j'ai l'impression de refaire quelque chose que j'ai déjà fait, ça me démotive comme ça, alors si je me dis ah c'est nouveau, j'ai hâte de découvrir et de me familiariser avec ça, c'est... Enfin, voilà, moi, je sais que c'est quand même, voilà, c'est pas mal une motivation. Et puis je trouve, voilà, la vie est si courte. Voilà, il y a tout ça à explorer. C'est assez intéressant. Du coup, voilà, oui, en plus, je ne me souviens même plus quand j'ai pas les sensations. Mais c'est vrai qu'en plus, comme ça, j'ai des moments où je me dis, ah, mais ça, mais tout ce qu'il y a à faire, etc., c'est tant de possibilités. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En plus, même en, par exemple, de parler des mêmes thèmes, mais de plein de manières différentes, avec plein de registres différents, etc. Et du coup, voilà, tout ça reste comme ça dans des projets futurs. Donc oui, moi, c'est parler de projets futurs, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, ou est-ce que ça en est? En tout cas, je crois qu'il y a deux projets en parallèle, un projet seul et un projet avec un co-auteur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi ça va parler et où vous en êtes? Alors du coup, voilà, le prochain projet avec mon co-auteur, ce sera du coup assez différent, parce que j'ai fait le scénario et la couleur, même si ça a été beaucoup à quatre mains, donc il y a eu beaucoup d'échanges, etc., mais en gros c'est ça, et qui sortira, je pense, en automne prochain, si tout se passe bien, il me reste encore beaucoup de planches à faire là, très bientôt, et voilà, qui sera assez différent, qui parlera de road trip en Russie, et de conquête spatiale, et de choses comme ça, donc voilà, c'est assez différent. Et du coup là, en parallèle, en plus, je suis en train de monter un peu un projet. C'est dur d'en parler encore parce que comme rien n'est sûr, c'est toujours un peu délicat. Hein, je marche sur des œufs. Mais du coup, qui serait quand même, je pense, plus proche dans le ton du coup de Baume du Tic. Bah en plus, comme c'est là, je serais tout seul, donc ce serait plus proche en termes de graphisme, etc. Mais du coup, ce serait, enfin voilà, du coup, ce serait, je pense. Je pense que voilà, ça ressemblerait un peu plus à ce qui a été fait. Mais voilà, je suis un peu hésitante dessus encore. On a hâte, on suivra, on attendra ça. Donc le premier album en octobre et le suivant quand il arrivera. Ouais, et vous disiez plusieurs fois, vous avez dit en plus c'était long. Enfin, vous avez rappelé qu'il y avait 250 pages. Et c'est vrai qu'on se dit 250 pages pour un tout premier album, c'est ambitieux.
En même temps, la narration le nécessite, et à aucun moment, en tant que lecteur, on trouve ça long. Au contraire, même, on aurait bien passé encore plus de temps avec les personnages. Est-ce qu'à un moment, quand même, vous vous êtes pas dit oh, mais dans quoi je me suis lancée? Parce que j'imagine, quand c'est un tout premier album, c'est un projet de fin d'études, est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment oh, mais je suis folle? tant de fois, si, si. Non, en gros, au tout début, j'étais super motivée. Mais normal, c'est le début, etc. Puis après, j'imagine, voilà, après, c'est un peu descendu. Vers le milieu de l'album, j'ai commencé à me dire que j'en avais marre, parce qu'en plus, voilà, le côté refaire tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, moi-même, j'avais envie de faire autre chose et de changer un peu. Mais bon, on ne peut pas. C'est de faire deux. Et du coup, oui, j'ai eu comme ça des moments de grosse lassitude, en plus, qui venaient aussi avec des gros doutes, voilà, en me disant, ah, mais est-ce que ce n'est pas complètement inintéressant et ennuyeux et mal dessiné, etc., etc. Et puis voilà, et puis après, vers la fin, ça remonte, parce qu'on est presque, on va presque finir. Voilà. Oui, et puis par exemple, au moment de faire le découpage du coup des dernières scènes, je me suis dit, ah, c'est la dernière occasion là pour raconter quelque chose dans cet album. Si tu veux changer une ligne de dialogue, c'est maintenant. Et du coup, on se dit, ah voilà, ça y est, après ce sera fini. Et du coup, voilà, du coup, c'était comme ça des zigzags. Mais du coup, voilà, j'imagine qu'au final, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ça a été très, très, très laborieux à plein de moments. Mais voilà, au final, j'imagine que tout s'est bien terminé. Je pense que c'était le premier aussi, et pour les suivants, ce sera un petit peu plus régulier. Mais par contre, ça ne m'a pas découragée de faire des longs formats, parce que moi, c'est des albums le type de BD que j'aime bien lire et que j'aime bien faire aussi. Donc je pense que voilà, c'est assez. Même si je pense que ce serait très intéressant de faire des formats courts, même le fameux 46 pages couleur, etc. Je pense que c'est un peu le genre de format auquel je reviendrai. En tout cas, je le redis et je pense que je le redirai encore plusieurs fois, mais c'est extrêmement réussi. Et pour toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous recommande bien évidemment Baume du Tigre. Et je crois que Nelly, qui est avec nous sur Facebook, le pense aussi, puisqu'elle a commenté en disant « super album, bravo ». Et en demandant, je pense qu'elle parle de la discussion qu'on avait en tout début de la rencontre autour de l'environnement familial et du fait de soutenir. Elle dit « l'environnement familial qui soutient, c'est un vrai plus, mais c'est assez rare, non ». Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce qu'avec vos camarades, j'imagine que pour être inscrit à l'école, j'imagine que les parents soutenaient, mais est-ce que vous vous dites que vous avez eu, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce que vous vous dites que vous avez eu de la chance justement d'avoir cet environnement familial qui vous a poussé, soutenu et encouragé? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'était un peu le trajet parfait comme ça, de signer un contrat juste en sortant de l'école et qu'en plus après la BD marche bien. Du coup, c'est sûr que c'est une chance. J'ai l'impression comme ça d'être très chanceuse, surtout que moi j'ai beaucoup d'amis. C'est un peu un biais de la réussite comme ça, en fait. J'ai l'impression d'être un peu, c'est un peu ce genre de, finalement, je pense que tous les gens qui sont les plus médiatisés aussi, etc., c'est un peu des exceptions. Et moi j'ai beaucoup d'amis qui font des albums ou qui bossent sur des projets bien plus difficiles aussi, et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc c'est aussi, je pense, beaucoup de gens dans la BD comme ça. Mais en tout cas, oui, je pense. Moi, je vois que beaucoup de gens, déjà, des parents qui les soutiennent beaucoup moins. Et après, même, par exemple, dans ma famille, moi et ma sœur, on est les seuls à avoir fait des études artistiques. Sinon, en tout cas, du côté de ma famille chinoise, en tout cas, tous mes cousins, quasiment, ont fait, des études d'ingénieur ou de commerce ou de médecine. C'est un peu, le trio de tête, comme ça. Et du coup, je pense que c'est une chance, comme ça, d'avoir pu faire le métier que je voulais, quoi. D'avoir cette possibilité de mes parents, et puis de matériellement, ensuite, que ça marche bien, etc. Moi, je suis très, très reconnaissante, et je pense que j'ai beaucoup de chance, donc c'est cool. Nous aussi, on a beaucoup de chance parce que du coup, aujourd'hui, on peut découvrir vos albums, enfin déjà votre album et puis les suivants que bien évidemment, on suivra et qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été avec nous ce soir. Baume du Tigre, donc je le rappelle, est publié chez Delcourt dans la collection Mirage, et c'est un très bel album qui a reçu le prix France Culture Bande Dessinée des étudiants. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci.